Moi saluer toutes amis fanatiques faisait la caillou. C'est un plaisir pour nous capable ensemble avec nous dans début semaine ça pour nous capable informer nous. Dans occasion ça qui sa nouvelle à lui-même lié. Dans vidéo ça nous pour présenter nos déclarations Moïse Jean-Charles André Michel comme nous connaît dans lutte pour capable renverser président Jovenel Moïse ensemble avec pour arriver faire jugement et sur l'agent Petro-Caribéa qui gaspillé et dans une façon que personne monde pour que jamais connaît. Eh bien, Moïse Jean-Charles, lui-même, lui fait connaître que président Jovenel Moïse, lui-même, lui pas diriger, lui c'est incapable, lui pas gagné moyen pour le capable de diriger le pays. Parce que, je ne suis capable de remarquer, le pays, lui-même, lui lock dans le et Moïse Jean-Charles, tout, lui arrivé et réactionné sous une déclaration que l'autorité des Nations Unies, lui-même, lui fait sur massacre et qui était fait la Saline. Côté que le Konya lui-même les vins prenons l'autre tournée. André Michel n'en bo pas, lui-même qui a demandé pour le peuple aller toujours mobiliser, lui-même lui fait connaître que lui-même lui connaît comment pour le capable jeter le président Jovenel Moïse. Ça veut dire que dans le jeu pour rentrer là, nous supposons tant pour nous capables voir qui genre de stratégique et André Michel lui-même lui poil est venu ensemble avec parce que lui-même lui déclaré lui connaît qui genre pour le faire et Jovenel Moïse démasquer et non et pouvoir dans la vidéo ça nous pas joindre toute réaction ça ou toute parlant de ça ou, et puis il y a l'autre information encore qui me pas annoncé nous que nous même nous pas avoir une chance pour nous capable ouais pour nous capable connaître et dans la vidéo ça et ça fait maman de nous pour nous capable suivre vidéo jusqu'à la fin. On doit poursuivre dans quatre coins pays pour exiger président Jovenel Moïse quitter le pouvoir et ses grands moyens qui permettent un procès sans passe pour qui et qui fait sous dossier Petro-Caribéa avec massacre à Saline d'après secrétaire général Pati Petit de Saline qui croit c'est une véritable priorité pour la population jeune et jeudi. Dans ce qui vient pour un rapport secrétariat organisation Nations Unies sous situation socio-politique pays à nous autres côté Anton Almantimé qui réagit sous lui Moïse Jean-Charles estimé plutôt c'est un rapport qui pas droit étonner personne d'ailleurs d'après ça le dit c'est un constat qui est déjà fait depuis plus passé Yolande ancien sénateur Noah qui est même tout estimé président républicain pas gain aucune capacité pour continuer à diriger pays à faut Jovenel Moïse quitter pouvoir notre cité Moïse Jean-Charles l'invite au côté dans le micro Ganito François. Pas qu'on n'est pas ici, on peut l'étonner. Rapport à son vignette qui sont dans mon sujet, alors que nous-mêmes, petite de salut, depuis 2018, nous avons annoncé payant, gouvernement pour le bloquer, peut-être, et payant pour le bloquer, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique aussi. Aujourd'hui, il y a l'amnat des rapports à son vignette, c'est là que nous avons depuis un an à dix. Ça, c'est le premier aspect de la question. Deuxième aspect de la question, on a son vignette une fois pour toutes, pour prendre note, pour qu'on ait les peuples haïtiens, ou bien n'importe qui n'a pas choisi dirigeant, c'est pour quitter dirigeant, c'est libé. Nous sommes dans la dernière élection. Yo. Chaque côté président de gagne élection. C'est un ministre avec cette calé à blague pour faire le nom à tête. Et vous avez même arrivé dans cette position avec vous. Je dis à vous contribuer dans sa pays. Troisième aspect, analyse que vous faites de ces fonds pour les haïtiens. Vous analysez que nous appréciez. Mais en même temps, tout, faut payer qu'on est. Même dans la famille, vous analysez la situation. Vous dénoncez ce qui s'est passé. Vous pas oublié. C'est pas expert. Vous pouvez dire un véritable rapport pour nous reconnaître. C'est le pays qui a confié le VKP, qui a revendiqué le doyau, qui a cherché la classe de Caribéen, qui a identifié Mounio, parce que nous connaissons Mounio. Mounio dans le toilette dans le pays, il y a dans le salon, il y a dans la rivière. Quand ça l'état, le rapport de la Nations Unies, son rapport, nous analysons qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. Reconnaître même les grands rapports des Haïtiens, les capacités de mobilisation, nous continuons dans le pays qui pour faire nous jouer 4 800 000 $ américains. Dans ce sens, nous croyons que nous pouvons continuer mobilisation. Yo. Et encore, dans le même rapport, ça tout, Nations Unies attaquer l'opposition. L'ELDI, opposition divisée. Attention, Nations Unies. Est-ce que je dis, dans le pays de la France, il y a un président qui est Macron, qui est Marine Le Pen, qui est droite en face-là, qui est Jean-Luc, qui est gauche en face-là. Est-ce qu'il y a tous les deux, qui sont obligés de connaître ce que je n'alternative pas quoi? Quoi que je dis, c'est qu'à personne dans le pays de la Nations Unies, c'est pas l'idée politique au cas non. Moune qui victime, c'est pas les Haïtiens. C'est eux qui sont grand pour. C'est eux qui ont pris l'amour pour l'argent pour le Caribéen. C'est eux qui sont en misère. C'est eux qui ont monté sous eux. C'est eux qui ont vu chaque monté sous eux. Ça veut dire, c'est pas ici pour la rue, la première étoile. Pas de point, pas de pays haïtien. Vous n'avez attribué à l'idée politique.
politique. Attention, Nation Unie. C'est le pays qui dit le bouquet. Qui donc, peuple haïtien, Marie-Cétino, l'autre semaine, nous devons dans le pays Venezuela et nous pourrons commencer à retourner dans le pays et pour continuer avec la mobilisation dans le pays. Les Nations Unies doivent comprendre la solution avec crise paysan à connaît depuis quelque temps, doivent passer par démission d'abord, chef d'État paysan Jovenel Moïse. Ces réactions, secteur démocratique et populaire sous rapport secrétariat Organisation Nations Unies sous situation envlimée sociopolitique pays d'Haïti. Pourquoi il y a là, priorité population haïtienne n'a pas ni élection, ni formation gouvernement, c'est plutôt réalisation, rapport et procès pétro-caribéen à massacre la Saline. Nous avons cité M. André Michel, qui est porte-parole, secteur démocratique et populaire. Là. Secteur démocratique et populaire, là, clair sous question ça. Pas qu'il n'y a aucune élection qui est possible en d'un pays là, sans procès pétro-caribéen pas fait. André Michel estimé, président Jovenel Moïse, c'est grand obstacle qui entrave la réalisation procès ça. Continue à exiger des pas sans condition là, sous tête pays. M. André Michel, tu parles comme ça dans le micro, Ganito François. Ça pour Nations Unies comprendre, je dis à peuple haïtien qu'il y a une priorité. Priorité peuple haïtien, c'est jugement assassin qui massacre le peuple à la Saline. Priorité peuple haïtien, c'est arrestation. Monde qui volait plus passer 4 milliards 200 millions de dollars américains comme des trois caribés. Priorité peuple haïtien, je dis à c'est pas élection. Priorité peuple haïtien, c'est jugement massacre la Saline, c'est procès des trois caribés. Et qu'on vérité, et c'est ça pour l'ONU comprendre. Pas gagner élection dans le pays d'Haïti, tout autant, pas gagner procès des trois caribés. Pas gagner élection, tout autant, il n'y a pas jugé assassin qui était massacre la Saline, non. Et, pas gagner procès massacre la Saline, pas gagner procès des trois caribés, tout autant, Jovenel Moïse, président. Et c'est ça qui fait situation compliquée. Et je dis, hein, Nations Unies doivent comprendre, communauté internationale doit comprendre que la solution à la crise politique actuelle passe d'abord et avant tout par la démission de Jovenel Moïse comme président. C'est démission Jovenel Moïse qui a mené un procès de fraude. C'est démission ça qui a mené un procès massacre à Saline. C'est démission ça qui a permis des conditions créées pour élection faite dans le pays à la conférence nationale haïtienne souveraine. C'est démission ça qui a permis que les Haïtiens construisent leur société, en leur état, dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est exactement ce que les Nations Unies doivent comprendre. Et c'est ça pour nous aider à nous faire, parce que je dis à pour nous, pas aucun monde de droite qui a une élection avec monde qui voulait plus passer 4 milliards 200 millions de dollars. Il n'y a pas de quoi comme ça. Ils ont mis de l'élection et ils ont acheté votre droit. Bref, les conditions ne sont pas réunies pour faire les élections en Haïti. Priorité peuple haïtien, hein, c'est arrêter monde qui massacre le peuple à la Saline, c'est arrêter monde qui voulait prendre des brutalités. C'est ça notre priorité. Et je dis à pays à l'ordre. Pays à l'ordre sur le plan politique, des l'ordre sur le plan administratif, des l'ordre sur le plan économique, et je ne pourrais pas dans rien à gérer, dans une priorité de l'abgader, parce qu'il n'est pas aux commandes, même s'il toujours n'a pas les nationales. Bon, il y a deux choses. Premièrement, qu'est-ce que parlement pas priorité peuple haïtien? C'est majorité de députés avec sénateurs qui en bas sont bonnes raquettes. Même Jean-Peuple haïtien parle le Jovenel Moïse, il parle le parlement ça. D'accord? C'est vrai, il y a une minorité qui est dans l'opposition, hein, cap bataille dans le parlement, le peuple a supporté, le peuple a salué courage. Maintenant, Jovenel Moïse a démissionné. Nous pourrons le faire démissionner. Nous comptons qui ça pour nous faire démissionner. Parce que je dis, le peuple haïtien a rejeté Jovenel Moïse. Peuple haïtien, vous fournissez Jovenel Moïse. Il parle de Jovenel Moïse encore. Tout le monde voit ça. Jovenel Moïse décide de rester ce pouvoir pour ne pas aller en prison parce qu'il participait dans le corps de Pétro-Caribé. Jovenel Moïse décide de rester ce pouvoir pour ne pas arrêter Matéli avec tout l'autre monde qui vole le corps de Pétro-Caribé pour le cas protéger. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il n'a pas fait Jovenel Moïse démissionner. Nous pourrons le faire Jovenel Moïse démissionner. Il n'a pas de chance pour le diriger par décret. Le combat continue. Le secteur démocratique et populaire va continuer à assumer ses responsabilités. Vous n'avez pas écouté M. André Michel, l'ambassade de pays de la France dans le pays d'Haïti, pas caché préoccupation par rapport à l'information qui a été circulée sur la quantité de monde qui a perdu la vie dans le quartier de la Saline, soit 5 pour arriver le 13 juillet passé. Dans un communiqué, l'ambassade l'a présenté condoléances liées à la famille, aux proches victimes dans le quartier de la Saline. La population dans le quartier ça a déjà subi un pilzac, agression et spécialement massacre mois novembre passé. Dans ce sens, l'ambassade l'a souhaité la population dans le quartier de la Saline, même gens avec habitants. Dans pile l'autre quartier populaire joignent toute protection pour côté autorité concernée
pendant y aurait été à attendre justice. La justice prend toute disposition pour permettre à tout le monde qui est meilleur trempé dans le crime ça y répondre Zakio devant la justice. Donc Simon a mineur qui a un problème avec la loi, c'est sous thème ça avocat sans frontières en tête collé avec l'école magistrature là organisé 3 journées de formation dans intention diverses acteurs dans appareil justice là formation ça qui bout vendredi passé en Téchita sous divers points qui gain rapport avec la justice pour Simon d'après magistrat Maggie Florestal de l'autre côté conseiller juridique avocat sans frontières là Marie Philippe Métivier croit l'important pour réfléchir sur l'autre possibilité qui gagnait pour accompagner Timon qui a conflit avec la loi au lieu d'aller dans la prison. D'un côté, yon après l'autre, juge Maggie Florestal avec Marie-Philippe Métivier. Yon dans le micro, ma garçon, félicitations. Alors, pendant toute semaine, nous avons tout thème, pratiquement tout acteur qui est dans la justice des mineurs. Là. Pour commencer, nous avons parlé de. Nous avons identifié tout problème. Yo. Nous avons la législation sur Timon en Haïti, texte de loi. Yo. Et puis, nous avons un élément important dans la formation, c'est l'élément social. Là, parce que justice pour Timon pas marché sans social. Donc, il faut dire qu'il faut qu'on fait dans la question, mais c'est pour ça. Donc, Timon, s'il était violé, hein? Donc, mais grand pile effort qu'a fait par rapport à outils internationaux que nous signons, par rapport à formation qu'a fait pour acteurs, yo, que ce soit au niveau de la brigade des mineurs, à la DCPJ, que ce soit au niveau de la magistrature, juge pour enfants, juge d'instruction des mineurs, et que ce soit au niveau de l'administration, aussi l'administration Noël et le volet administratif qui est géré par le bien-être social. Donc, nous avons dit grand pile effort qu'a fait dans le domaine pour améliorer le traitement de Simonio dans la question de la justice. Parler brièvement des objectifs qui sont visés par la formation. Donc, peut-être juste préciser, au niveau du cadre légal, on voulait vraiment mettre l'emphase aussi sur le cadre international qui s'applique au niveau des droits des enfants. Et on voulait également susciter beaucoup de discussions et de réflexions par rapport aux alternatives qui existent en Haïti en lien avec l'incarcération des mineurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire autre que d'emprisonner les mineurs en conflit avec la loi? Alors, on a voulu beaucoup mettre l'emphase là-dessus, notamment en lien avec le problème de la détention préventive prolongée en Haïti. Et puis, peut-être juste préciser aussi au niveau des participants. Donc, on avait une trentaine de participants, dont 20 juges qui viennent d'un peu partout à travers le pays. On avait une dizaine d'avocats et on avait également 2 enquêteurs là, de la brigade de mineurs de la PNH. Alors, au début, on a commencé la formation en faisant un petit état des lieux de la situation des droits des enfants en Haïti. Donc, on a commencé par parler de la traite d'enfants, le trafic d'enfants, qui inclut la domesticité infantile. Bien sûr, c'est la juge Florestal qui a parlé sur ce sujet. Technique, communication, claire et efficace en droit. Éducation, organisation canadienne, qui a fait promotion pour projet ça, déjà animé plusieurs ateliers de travail dans Port-au-Prince. C'est un projet qui visait faire monde plus bien comprendre jargon juridique, d'après agent, les loyers, à communication, dans avocat sans frontières, Taïna Nouster. Communication claire et efficace en droit permet, yo, améliorer sérieusement accès à la justice, d'après une avocat, yo, vulgarisatrice juridique, Dominique Bouffier. Qui profite expliquer comment projet ça a appliqué dans le pays Canada. Youn après le Taïna Nouster avec Dominique Butin, dans le micro Maguesson Philistin. Après expérience qui était faite, d'ailleurs même au Canada, côté YPC, intégrer communication claire en droit, c'est pas facile et c'est pas uniquement au Canada, il y a d'autres institutions dans l'autre pays qui a essayé faire. Vous devez comprendre que j'aime ce dit Taléa, droit, il fait partie de la vie tout le monde et pourtant nous pas qu'on grand-chose sous lui. À n'importe quel moment, on a besoin d'un tribunal. À n'importe quel moment, on a un maga ou besoin réglé qui nécessite que ou faut comprendre sa loi a dit. Et j'aime te par exemple là, il dit nul n'est censé ignorer la loi. Or, en plus le monde pas connaît loi. Donc, nous t'es senti que si vous voulez améliorer accès à la justice, qui c'est une thématique projet ça qui sous 5 ans qui a fini en 2022, nous avons intérêt pour que nous permettre mon yo mieux comprendre noyau, mieux comprendre droit et capable d'utiliser le tribunal. J'en peux utiliser et renforcer confiance dans le système judiciaire. En fait, la communication claire, efficace en droit, ça permet d'améliorer l'accès à la justice. Donc, pour que les gens connaissent la loi, la comprennent et l'utilisent aussi.
Donc, les gens vont avoir une meilleure compréhension de la loi, de leurs droits et leurs obligations aussi. Donc, c'est vraiment des principes de communication, mais appliqués au langage juridique, au monde juridique. Par exemple, en droit, on va parler de la filiation. La filiation, c'est un mot qui est juridique, c'est du jargon, mais en fait, on peut l'expliquer d'une certaine façon. On peut dire que la filiation, c'est le lien entre un enfant et son parent, tout simplement. Et là, les gens vont comprendre qu'au travers de ce lien-là, il y a des droits et il y a des obligations aussi. Oui, ça arrive encore aujourd'hui. La communauté juridique au Canada et à plusieurs endroits, ça reste un lieu où on aime le jargon, on aime être un peu conservateur dans les expressions qu'on va utiliser. Et donc, il y a des fois un écart entre la communauté juridique, les tribunaux, les magistrats et la population. Donc oui, ça arrive encore aujourd'hui que des gens ne comprennent pas les conséquences ou ne comprennent pas pourquoi ils sont devant les tribunaux. Et c'est ce qu'on essaie de changer avec notre organisation. Mais en fait, Éducaloi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse directement à la population. Donc on veut leur donner les outils pour comprendre la loi, pour pouvoir l'utiliser aussi. Donc s'ils doivent aller devant les tribunaux, il faut comprendre comment faire, quels droits ils peuvent revendiquer. De la même façon, on va aider le gouvernement, par exemple, à rendre ses communications plus claires. Donc, s'il y a des formulaires à remplir, si les gens doivent aller dans certains bureaux pour faire des démarches, bien, on accompagne le gouvernement à ce que ce soit plus clair. Et aussi, ce qu'on fait, c'est on donne la formation à des juges pour que les décisions qui sont rendues soient dans un langage accessible. Donc, ça ne demande pas d'avoir des études en droit pour comprendre la décision qui est rendue par le magistrat, par le juge.